échapper s'ils continuaient à regarder dans le vide, comme des idiots. J'ai la pièce que tu voulais. À ton tour maintenant. Soigne la fillette et je te la donne. Je vais le faire. Mais dis-moi, si cet enfant survit, quel sera son avenir, à ton avis? C'est toujours mieux que de ne pas en avoir. Mais quel optimisme. Bon, dépêchons-nous. Ma bonté ne supporte pas très bien la chaleur. Utib nous doit des explications. On lui faisait confiance. Laisse-moi tranquille. Bon débarras. C'est toi? Content de te voir? J'ai amené quelqu'un pour soigner ta sœur. Comment tu... Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter... Non, rien. Je ne veux pas savoir. Une ombre pourrait passer et tout emporter. Il est malin. Monsieur va se consacrer à ta sœur. N'est-ce pas? Dès qu'il n'y aura plus de distraction, oui. Faire ne pas imaginer le genre de travail que les sauvages font pour battre. Merci. Merci de lui avoir permis de vivre. Quel est son nom? Chian. Bien beau cette trêve, mais sans commerce, on va couler comme une pierre. La fosse. Une grande tradition des Karja. Laisse-moi tranquille. Si jamais l'éclipse te trouve ici, tu ne survivras pas assez longtemps pour te retrouver dedans. Mais les usurpateurs ont profité de nos affaires. Nous allons voir si l'attaque que tu as lancée contre le réseau de leur focus a fonctionné. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai fait planter, leur réseau. Bravo. Bienvenue dans la citadelle, Aloy. Je te recontacte très vite. En attendant, promène-toi un peu. Pourquoi bon? On fera ma rentrée chez nous plus vite. Il faut croire que personne n'est invulnérable à la tentation de l'hérésie. Pas même Utib. Étrangers, pour découvrir les missions du jour, rendez-vous dans la salle du trône. En restant là, rien faire que vous gagnerez des éclats. Saleté de mercenaires parasites. De nous abandonner. Je veux bien les éclats. Ça devrait rapporter. En vertu de la gloire du Soleil Tout-Puissant, admirez Itamen le Radieux, le seul, l'unique Roi Soleil. La lumière dans l'ombre, celui dont la volonté est lumière et dont la lumière fait loi. Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide de se prononcer pour moi.
Par la volonté dit amène le radieux que le soleil écrase de ses rayons impitoyables ce sale traître du Tide. Au chasseur qui parviendra à nous rapporter sa tête, une prime de 500 éclats sera remise. Ils ont plutôt l'air de prisonniers, tu ne trouves pas ? Sacrée crinière. Toi et moi, on doit se voir, petite chasseuse. La tente verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir, tant qu'il nous reste une chance de le sauver. Bon. Le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi. Non mais tu plaisantes là. Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les buzards. Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer. C'est ta première visite à la citadelle, tu dois voir la fosse du...